السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اليوم رايحين يعني رايحين نكثف من الفروض بالنسبه للاولى متوسط والخامسه متوسط خامسه ابتدائي اذا كما الان رايحين نروحوا للخامسه ان شاء الله نديرو لهم فرضهم تاني. ما Donc, devoir de français numéro un. Donc, le chamois. Le chamois est un animal mammifère qui vit dans la montagne. Il est très agile et c'est un excellent grimpeur. C'est un herbivore ruminant. Il se nourrit d'herbes et de plantes comme le genévrier, le serpolet, serpol, la bruyère et d'autres végétaux. Il ne boit presque jamais d'eau car il la trouve dans les plantes qu'il mange et parfois lorsqu'il a soif il lèche la neige. Le chamois a des poils. Court en été et lent et épais en hiver pour le protéger du froid. Son pelage change de couleur selon les saisons. C'est un animal craintif, toujours à l'écoute du moindre bruit pour être prêt à fuir en bondissant. En hiver, il quitte la montagne enneigée pour aller à la forêt et trouver la nourriture. Les chamois sont généralement considérés comme des animaux diurnes, mais on pense aujourd'hui qu'ils peuvent aussi être actifs la nuit. Donc, Alors, compréhension de l'écrit. Donne un titre à ce texte. Où vit le chamois? B. Pourquoi le chamois boit-il très peu d'eau? C. Que fait le chamois pour se nourrir en hiver 2. Répond vrai ou par vrai ou faux. Le chamois est un animal carnivore. Le chamois est un animal qui pond des œufs. Le chamois se sauve en bondissant quand il est en danger. Alors, trouve le féminin des adjectifs qualificatifs suivants. Excellent. Court. Épée, craintif. Les adjectifs féminins. Sépare les groupes GNS et GV souligne le COD dans la phrase suivante. Le Fénèque chasse les lièvres. 5. Trouve la nature des adjectifs qualificatifs soulignés. C'est un animal craintif, il est agile. La nature des adjectifs. Trouve dans le texte un mot de la même famille que nourriture. 7. Conjugue les phrases entre parenthèses au présent de l'indicatif. Ses poils, être, court et honnêteté. Le chamois, bondir pour s'enfuir. Les animaux sauvages, attaquer les gens pour se défendre. au oh, la production écrite, Chantal Boulcombe, t'en mettre à présenter une censure sur les animaux. Rédige un paragraphe de quatre à cinq phrases dans lequel tu présenteras le panda. Le panda. N'oublie pas de écrire un titre, utiliser le pronom personnel, euh, personnel de la troisième personne du singulier, conjuguer les verbes au présent de l'indicatif, mettre, mettre la, pon R ici, mettre la ponctuation. Aide-toi de la boîte à outils. Attends, comme une boîte à outils. Animal, sauvage, mammifère, 1,5 m, 100 kg, vivre, peser, mesurer, être, se nourrir, omnivore, en Chine, la forêt, feuilles de bambou, des petits rongeurs et poissons. Donc, attends, comme une boîte à outils, on est combien? le correction, اذا اول شيء طلبوه منكم هو لو تيتر اسهل تيتر هو اذا هنا لو كوريجي الوغ اسهل تيتر هو لو شاموا لو شاموا او ساي علاش الحيوان راك تكلموا عليه سي بون السؤال الثاني قال يعني لكم نشوفوا هنا بال يعني نشوفوا السؤال ونجاوبوا هنا طلبوا منكم قالوا لكم لو شاموا الوغ لو شاموا لو شاموا بي دون لا مونتاني في الجبال اه كاين حاجه ما درتهاش ما فهمتكمش النص نفهمكم النص الو لو شاموا اي تان انيمال مافيفير كي في دون لا مونتاني هذا الضبي الصخري هو من الثدييات ويعيش في الجبال اي لي تري اجيل اي سي تان اكسيلون غامبور يعني جاي كي نقولوا خفيف اه و فوالا خفيف

لا بغوييغ اي فيجيتو هادو اسماء تاع نباتات عندها هذه التسمية دوطخ فيجيتو اي بوا بخيسك جامي دو ما يشربش هو الما بزاف لماذا علاش راه ما عطيناك لا سبب كار إلا لا تروف دون لي بلونت راه يلقاها في النباتات النباتات اللي ياكلهم فيهم الما بزاف اي بارفو لوغسكي لا سواف يلاش لا ومن بعض المرات يكون عطشان شي يلحس الثلج باسكو راه يعيش في اماكن فيها الثلج الوغ لو شاموا ا دي بوال كور عنده شعر تاعه قصير في الصيف وطويل في في الشتاء علاش باش تحافظ عليه تختقيه من البروده سون بلاج يعني داك الشعر تاعه دا لو بلاج شونج دو كولور يتبدل على حساب الفصول سي ان انيمال كرينتيف هو حيوان خواف بزاف توجور على كود دو بروي هو دائما في الاستماع الى اي حس كيسمع اي صوت شي يدير بوغ افوير اون بونديسون غير يسمع حاجه يهرب وهو بالقفز يقفز هو ينقز يعني يقفز اونيفير يلقيت لا مونتان في في الشتاء يخلي يتخلى على الجب الجبل اللي فيها الثلج ويروح للغابه باش يلقى الاكل لي شاموا سون جينيرالمون كونسيديري كوم دي زانيمو ديور لي شاموا احنا يعني دايرينهم مصنفينهم مع الحيوانات اللي يعني تتحرك ديور يعني في النهار خلاص ماشي في الليل دونك هما الديورن وفي الليل كيما حنايا نرقدو هما تاني مي أون بونس اوجوردي كيل بوف أوسي اتر أكتيف لا نوي ولكن في هاد الفترة الأخيرة يعني العلماء شافو باللي هاد الضبي الصخري قادر حتى يكون يتحرك ويكون أكتيف حتى في في الليل دونك أني فهمتكم النص نكملو نروحو نكملو الأجوبة دونك قلنا لو تيتخ

il quitte la montagne enneigée pour aller à la forêt et trouver la nourriture. Il par vrai ou faux. Le chamois est un animal carnivore, faux. Le chamois est un animal qui pond des œufs, faux. Mais il le, il des dans le, le chamois se sauve en bondissant quand il est en danger, oui, c'est vrai. Trouve le féminin des adjectifs qualificatifs suivants. Excellent, excellente, zid le e. Court, courte, zid le e. Épais, épaisse, deux s. Je double s, zid le e. Craintif, tous les craintifs, gali le f, et double e f le féminin. C'est par les groupes GNS et GV et souligne le complément d'objet direct dans la phrase suivante. Le fenec, c'est le groupe nominal sujet. Chasse les lièvres, c'est le groupe verbal. Ou chasse quoi on pose, on pose la question quoi Donc, chasse les lièvres. Les lièvres, c'est un complément d'objet direct. Comme l'eau. Trouve la nature des adjectifs qualificatifs suivants. D'un adjectif épithète ou attribut. Alors, c'est un animal craintif. Donc, c'est un adjectif épithète. Il est agile. Un verbe d'état. Hein? Donc, et, être. Donc, c'est un adjectif attribut. 6. Trouve dans le texte un mot de la même famille que nourriture. Nourriture, le verbe se nourrit. Se nourrit. La même famille. Conjugue les phrases. Les, les verbes dans les phrases, entre parenthèses, les verbes dans, euh, entre parenthèses au présent de l'indicatif. Ces poils sont, S-O-N-T, cours en été, en Le chamois bondit, c'est un verbe du deuxième groupe, pour s'enfuir. Les animaux sauvages attaquent, c'est un verbe du premier groupe, E-N-T, parce que les animaux, euh, on peut le remplacer par il avec S, donc E-N-T. On dit la production écrite, هنايا قبل ما نكتبوها, لازم نديرو un titre. Utiliser le pronom personnel de la troisième personne du singulier il ou elle, où on va conjuguer les verbes au présent de l'indicatif, on va conjuguer les verbes ça y de et mettre la ponctuation, on a toujours toujours. Un, un. Donc une photo la production écrite. Et donc une petite production

لو بومبو ولا اوراق البومبو المهم بومبو مع الاوراق تاوعه سي اون اسبيس كي اي طون فوا دو ديسباريسيون على بالكم لي بوندا راهم في طريق الانقراض يعني راهم الا قله قليله وراهم يحوسوا باش يكثروا منهم بالتزاوج ولكن هي يعني في يعني حيوانات في طريق الانقراض نعاودو لو Le panda est un animal mammifère bicolore. Il vit dans les montagnes de Chine. Il pèse 100 kg et mesure 1,5 m. Il se nourrit de bambou, qui est sa seule nourriture. C'est une espèce qui est en voie de disparition.